Bonjour, je m'appelle Isabelle Delaporte, je travaille chez Zénith. Je suis Jérôme Blaise, je suis directeur adjoint au sein du département publishing de Publicis Media. Alice Michaud de la Croix, directrice associée chez Premium SCM. Fleur-Hélène Farcy, groupe Dentsu. On avait une problématique à la fois de branding, c'est une marque qui a une forte notoriété mais qui avait besoin d'être un peu redynamisée. Nous avons proposé et vendu deux Food Brand Trust cette année, donc l'un pour Netto qui avait un objectif de prix bas en termes de communication et un autre pour une marque alimentaire, donc AOS qui avait besoin de redorer un petit peu son image sur le bien manger. On arrivait au bout d'un cycle où ça faisait quelques années qu'on était en parrainage télé et avec l'agence Lola Mulanlo, on a travaillé un nouveau territoire de marque, on a sélectionné un nouveau mix média. La problématique de notre client, Liebig, c'est de valoriser l'engagement de la marque en supprimant les conservateurs et en allant vers plus de produits naturels. Parce que déjà, c'était une solution innovante. Grâce à ce dispositif, on pouvait être aussi puissant que ce qu'on aurait eu en termes de couverture télé. Parce qu'on a une vraie logique de considération des consommateurs de la part de la marque. On avait une forte ambition en fait au démarrage puisqu'on avait à la fois du print, du digital, du développement de contenu. C'était un dispositif 360 où on pouvait voir évoluer donc, les créas de l'agence CLM. Un bilan positif pour Netto qui a pu voir la vente des produits Netto progresser fortement grâce au Food Brand Trust. Les consommateurs de produits disponibles chez Netto ont basculé sur les marques Netto, donc un vrai effet positif pour eux. Et on a aussi un bilan très positif en termes de perception de la marque par les consommateurs. On a réalisé des études post-campagne qui ont montré que tous les items qu'on recherchait avaient augmenté et on avait atteint nos objectifs. La mesure, évidemment, mais au-delà de ça, il y a aussi tout le servicing qui va derrière, la mise en place d'un contact unique sur la prod. La performance que le Food Brand Trust a pu générer sur nos annonceurs. Efficacité. Puissance. Simplicité. La pertinence.